Jeudi 7 décembre, je me permets de m'adresser une nouvelle fois à vous, citoyennes et citoyens, afin que vous soyez au parfum de ce qui se passe au niveau de la commission des affaires sociales qui s'était réunie fin octobre 2017 sur l'extension de l'obligation vaccinale. Vous la retrouverez sur Internet avec l'intervention du docteur député Thomas Mesnier ou Mesnier avec une réponse du professeur Fischer. Réponse empreinte de logomachie, empreinte de sophisme et de faits non prouvés. Pour ça que je réponds à cet homme-là. Professeur Fischer, sauf le respect que je vous dois, veuillez pour l'amour du ciel réviser vos fondamentaux. Le mythe, le dogme de la contagion de toute maladie, coqueluche comprise, n'est-ce pas, est on ne peut plus inexact. Pasteur s'est bien trompé. De même, les trois autres dogmes. La panspermie atmosphérique. Le virus muni de parachutes, n'est-ce pas, qui vous atterrit sur le coin de la gueule ou des volailles. La asepsie des organismes vivants. Le corps n'aurait pas de microbes. Le monomorphisme bactérien, j'en ai déjà parlé. Le livre du professeur Jules Tissot. Constitution des organismes animaux et végétaux, cause des maladies qui les atteignent. Troisième volume, Paris, au laboratoire de physiologie générale du Muséum d'histoire naturelle, 42 boulevard Saint-Marcel, en 1946. Professeur Fischer, pour l'amour de nos enfants, ne restez plus au service d'un pouvoir maléfique. Ainsi, le début de toute maladie vient donc de l'aliment virus. Le blé, l'orge, l'eau gorgée d'amibes, de produits de synthèse, etc. Que ce soit sur la nourriture avariée, fermentée, les antibiotiques, l'eau empoisonnée par divers produits chimiques, l'atmosphère contaminée par exemple, des composants de batteries d'automobiles ayant produit à Bourg Fidèle, dans les Ardennes, diverses maladies de dégénérescence dont ont été victimes une bonne partie de la population, et en particulier avec la maladie de Parkinson, monsieur et madame Schneider. Je vous donne le numéro de madame Schneider. Et encore toute sa lucidité, malgré pas mal d'handicaps. 00 32 82 69 98 36. Je suis à votre disposition, professeur, pour vous donner d'autres explications qui ne devraient pas manquer de vous étonner. L'origine de la lèpre, par exemple, c'est simplement l'eau suroxydée par le soleil. Bu par les humains venant des marigots, non pas les humains, mais l'eau, pendant le Moyen Âge. L'eau prise au puits nous a débarrassés de ce fléau. Mon téléphone, professeur, 04 92 67 05 48. Je ne veux pas vous ridiculiser, mais quand je vous dis révisez vos fondamentaux, faites-le à l'aide du livre du professeur Tissot. Sachez également, et vous le savez, que 800 000 nourrissons et bambins ont été vaccinés en France en 2016. Madame Elke Harod, de l'association Stelior, le professeur Boy Allais, ont bien démontré les dégâts occasionnés par les vaccins sur les enfants. Je le répète, 800 000 vaccinés, 646 000 atteints de terribles maladies.
À tous les députés, membres de la commission des affaires sociales ayant voté sous pression l'obligation vaccinale, je vous avise que votre vote sur cette obligation démontre sans équivoque, d'ailleurs vous êtes avertis par mail et par téléphone, que vous avez été victime de la désinformation de la part des laboratoires et du ministre de la Santé. Il n'est jamais trop tard pour vous rendre compte que vous avez été dupé. Vos actions futures pour contrarier ce vote déraisonnable, voire handicapant à l'extrême, 89% des gens sont pour la liberté vaccinale, donc ce vote handicapant à l'extrême, pour nos bambins, devrait annihiler la loi. Et je le répète, 89% des citoyens réclament à corps et à cri la liberté vaccinale. La loi Kouchner de 2002, les arrêts de la Cour de cassation de 1997, le Code de déontologie médicale, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, etc. J'ose espérer que nos informations loyales et rigoureuses vous aideront puissamment. Les mamans de cette commission vont regarder sans complaisance Madame Buzyn, initiatrice. Inspirée, n'est-ce pas? Notre mouvement se tient à votre disposition pour toute information complémentaire. Monsieur Dodon Jacques-Henri, du Conseil national de transition, de même que le mouvement, sont des humanistes très près du citoyen. Encore une fois, à bon entendeur, salut. Merci.